Bonjour chers abonnés, pour faire suite aux trois parties que j'ai postées précédemment, un documentaire qui avait été réalisé de nombreuses années auparavant sur la technique de peinture sur verre qui peut être utilisée à plat ou en volume et dont j'avais fait une grande présentation à l'espace Malraux de Chambéry à cette époque. Là je me suis amusée à reprendre cette technique et en faisant des essais pour vous. Et j'en suis à l'étape où je vais décoller la pâte acrylique du support vert. Comment je m'y prends? Et tout simplement, je prends un cutter et je vais passer dans les extrémités sous la plaque de verre. Il faut faire attention de ne pas se couper. Et d'avoir mis suffisamment d'épaisseur sur les bords pour pas que cela se déchire. Donc on fait les quatre côtés, là, comme ça. Ensuite, très délicatement, on va retirer la plaque ainsi réalisée sur le support vert. C'est très délicat, donc on prend son temps, parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Et peu à peu, vous commencez à voir les couleurs lumières qui apparaissent. Donc le travail s'est réalisé sur l'envers, bien entendu. Donc comment je procède? Vous voyez, je vais d'abord un peu à droite, un peu à gauche, ensuite au centre. J'y vais tout doucement. Et parfois, on a une mauvaise surprise. Si la couche n'est pas suffisamment épaisse, ça peut se déchirer. Il faut faire attention. Donc il faut faire plein d'essais pour voir quelle épaisseur de blanc à l'arrière il va falloir superposé. Donc là, j'ai fait une couche très légère qui peut être ensuite reportée sur un support et collée, modelée. Pendant que je cause, je continue à tirer ma plaque délicatement. Vous voyez, vous commencez à voir les couleurs. C'est toujours magique ce moment où on commence à voir les couleurs lumière sortir. J'en avais déjà une petite idée puisque je pouvais regarder de l'autre côté. Je vous l'ai montré l'autre jour. Et là, hop, j'arrive à la fin. Et vous voyez, j'ai pris beaucoup, beaucoup de précautions pour que cela se fasse correctement. Donc par la suite, je nettoie à l'eau chaude de la plaque de verre pour enlever tous les petits bords qui restent superflus. Et puis je la réutiliserai dans une autre démo. Donc là, vous voyez que les bords ne sont pas très égaux. Donc je prends tout simplement une paire de ciseaux. Ce que je vais faire, si j'en trouve une ici. Voilà. Et je vais découper près du bord, le plus régulièrement possible, toutes les petites parties qui me gênent. C'est pour ça que quand je fais le motif, je pense toujours à un retrait, puisque à la fin, il va falloir que je coupe un peu. Donc je calcule bien les plaques de verre en fonction des formats et des projets que j'ai au final, c'est-à-dire vais-je laisser le coller à plat sur une toile ou sur un plexi, vais-je le coller en volume et faire réaliser des sculptures. Voilà. Donc, ceux qui sont inspirés pourront peut-être encore réutiliser les morceaux de peinture. Je vous laisse imaginer tout ce qui est possible de faire. Voici la plaque. Je vous la présente. Et soit je vais m'amuser à faire un montage sur une toile. Là, j'ai mis une petite toile pour vous montrer. Alors, et faire par exemple une réalisation en volume. Pour
faire un volume, il ne faut pas attendre que la plaque sèche complètement. Il faut simplement le faire une fois que la plaque a été retournée, pas attendre longtemps et commencer à lui donner le volume. Donc les volumes, il faut faire attention parce qu'elle est encore collante, donc il faut aussi être très prudent sur les formes que l'on va réaliser. Bon, imaginons que je souhaite réaliser ce volume. Ensuite, eh bien, je vais le coller sur le support de mon choix, soit la toile, soit le plexi. Donc là, voilà une toile. Ce que je fais quand je fais une mise en volume, il est évident que la toile doit être peinte au préalable pour faire le fond. Voilà. Donc voici le motif que j'ai choisi, mais je ne suis pas satisfaite, je recommande. Là, entre autres, il y a un motif qui me plaisait bien que je voulais mettre en avant. Voilà. Et on peut aller très bien. Donc, là, par exemple, le volume est important. Alors, ce que je fais quand j'ai des volumes de cette sorte, vous voyez, l'autre côté, eh bien, il va y avoir, là, elle a commencé à coller, justement. Donc, je vais essayer de la décoller tout doucement. Peut-être que ça sera possible ou pas possible. Parce que, justement, elle est encore collante. Donc, faites attention quand vous faites votre volume. Là, je fais une démonstration. Donc, il faut absolument que j'arrive à en faire plusieurs choses. Là, j'ai un support ici. Pareil, si je souhaite mettre en volume, je calcule bien la forme que j'ai envie d'utiliser. Et sur les parties très épaisses, à l'intérieur, derrière, je vais mettre du bourrage comme ce que l'on met dans les coussins, par exemple, hein, c'est à vous de voir. Il y a toutes sortes de matières. Si vous voulez que ça soit une matière plus moins souple, eh bien, peut-être utiliser du polystyrène, enfin, toutes sortes de choses de telle manière que cela va servir le volume que vous aurez manifesté au bout de vos doigts. J'ai réalisé un test sur directement une feuille plastique brillante. Donc là, il n'y a pas besoin de décoller la couche de couleur. Je trouve que c'est aussi intéressant. Par contre, la réponse au motif graphique n'est pas du tout la même. Donc il faut s'entraîner avant pour voir comment va réagir le motif graphique en fonction des médiums que vous aurez utilisés. Et puis ensuite, décider de comment l'utiliser et le présenter sur... soit en modelage, soit en objet modelé, soit à plat sur un autre support. À vous de décider en fonction de votre inspiration. J'insiste en répétant que la réalisation sur une feuille plastique n'a pas du tout la même réponse que sur une plaque de verre. Personnellement, j'aime les deux. C'est à vous de vous laisser inspirer et de voir comment vous allez pouvoir l'utiliser pour servir votre projet. Eh bien, je vous souhaite une bonne création pour ceux qui auraient envie de s'entraîner et puis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à très bientôt.